C'est la question du moment. Donc, clap, deuxième édition. L'histoire entre Spock et Kamel. Pourquoi à chaque intervention de Spock sur une vidéo, Kamel se sent obligé d'intervenir? Ils sont obligés de fumer Spock, pardon. Décodeur. Non, parce que là vous regardez, vous dites ça, mais c'est les gens qui disent ça. Après, si vous lisez, les gens ils disent ouais, à chaque fois que Spock il parle, tu l'allumes. C'est pas ça qui s'est passé. C'est que on s'est embrouillé. C'est moi qui ai parti le voir sur Facebook pour lui dire viens, on fait pas le 1000% dans le seum et tout ça, j'aime pas danser avec le seum et tout, j'ai arrangé les choses, tu vois. À la fin du 1000%, pour moi l'histoire elle est décalée. Jack Error il vient, il prend le micro, il ouvre sa gueule, ouais t'étais pas musical. J'ai jamais dit que j'allais être musical, c'est Spock qui a dit ça d'ailleurs. Le sujet il est dans le forum. Voilà. Après il prend le micro, il a rien à voir d'ailleurs, après il a fait une démonstration, on en parlera pas. Non, c'est plus musical. Après, comment on s'appelle? Spock, bon, il était malade, tranquille, j'ai accepté, t'as vu? J'ai arrêté le battle, ouais, tac, voilà, j'avais encore des passages, j'ai pas bronché, je l'ai pas allumé sur le forum, j'ai rien dit. Et je vois, je vais dans le sujet du forum, donc du 1000%, et je vois Spock qui écrit, il insinue que j'ai choisi le son, et... Enfin, il parle quoi, il dit, ouais, y en a qui choisissent leur son, et après, je sais pas quoi, et pour moi, c'est un... Ouais, il a dit battle pété, son pété, et en plus quand on sait que certains danseurs choisissent leur son, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais pas admettre une défaite. Déjà j'ai admis le fait que t'étais malade, ça veut dire pour moi c'était même pas une défaite pour lui, mais maintenant il ouvre encore sa bouche à vouloir m'allumer. Moi l'histoire elle était réglée, maintenant il m'allume. Après il dit des trucs, on donne notre avis sur le battle E-Boy Street, on a le droit. J'ai le droit de dire que j'étais pour la street, j'ai le droit de dire que Nunux il est pété. Je le pense. Enfin, non, dire Nunux il est pété, en même temps c'est différent, mais dire non, que... Mais c'est mon avis tu vois. Ah mais bon, tu t'attaques à un membre de son groupe, donc pour moi, tu vois, écoute, Yuval, t'avais un pseudo, il était super explicite, c'était ouais, championnat du monde, on n'est pas là pour rigoler, faut tout ça. Je les vois arriver, je regarde leur choré, je vois le passage de Trixie, je fais waouh. Après, je regarde les chorés, je fais merde. Je fais mais ils ont pas lu le pseudo, ils savent pas que c'est pour le championnat du monde. Et à chaque fois, la même excuse, ouais, on a travaillé 3 jours. On s'en fout. Ça, je suis d'accord avec toi, le fait. Les heures de boulot derrière et puis le sacrifice pour ça, ça nous regarde pas. Ouais, ça nous regarde pas. Nous, on voit quoi? On voit la vidéo, on voit le battle, tu vois. On voit le battle, on voit ce que ça donne, on donne notre avis sur ce qu'on voit. Maintenant, si j'ai le droit de dire que c'est pété, si je pense que c'est pété, enfin, je sais pas, on est quand même dans une team où on fait des trucs mieux que ça. Maintenant, voilà. Est-ce que toi, t'as quelque chose contre Spock? Moi, j'ai rien contre lui. Moi, je le dis, tu vois. Je dis, moi à la base, non, Spock, sûr, Spock avant, pour moi, c'était un gros blaze au niveau de la danse. Mais ça reste encore un gros blaze. Ouais, c'est un blaze. Au niveau de la danse. Reste rien du tout. Au niveau de la danse. Reste rien du tout. Au niveau de la danse, hein. Je te parle au niveau du niveau de danse. Hein. Pour moi, ce sera toujours un blaze parce que c'est un gars emblématique dans l'électro. Mais je parle au niveau de la danse. Il avait un niveau, il était dangereux. Il avait, tu vois, il était dangereux et tout. Moi, maintenant, je dis quoi? Pour moi, maintenant, ça reste juste un gars qui a du potentiel, mais qui s'entraîne pas. Et quand les gens ils regardent des vidéos, que c'est les mêmes depuis l'année dernière, presque. Ouais, mais c'est son style original. On appelle ça les originaux. Justement, il y a des originaux, mais quand tu compares Spock à Trixie, il évolue tout le temps. Pourtant, c'est un original. Parce que Trixie, c'est plus un mec de battle et Spock, c'est plus un mec de show, peut-être. Trixie, c'est un danseur. C'est un mec de show. Trixie, c'est un danseur. Non, mais Trixie, c'est un mec de battle. Mais Spock, c'était plus un mec qui se voit plus dans la fonction de mec de show. Bah, bon, donc, ouais, il vient de faire des couilles. Je sais que c'est un mec de show. Quand tu regardes, il est un homme il y a pas longtemps. Il m'a dit il va faire un show avec Trixie. Il me dit ouais, en gros il m'a dit quoi? En gros, hein, parce qu'il y en a qui jouent sur les mots. En gros il m'a dit je vais te faire mettre ta gueule, on va faire un show, on va mettre 6 mois à le faire. Et si tu me dis pas que c'est le plus beau show électro que t'as vu de ta vie, et ben là je fermerai ma gueule une bonne fois pour toutes. J'ai dit t'es marrant mais laisse-nous 6 mois. Voilà quoi. Mais il y a un truc qui me choque, j'ai des milliards qu'on n'entend jamais, en tout cas dire du mal sur les gens, c'est très très rare. J'ai entendu tout d'un coup limite cracher. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, un jour, Spock s'est emporté, tu vois, sur le site du Verti. Il a dit, ouais, vous avez la rage, en parlant des gens du Verti, tu vois, qui le critiquaient. Vous avez la rage, ouais, moi, parce que je fais le tour du monde, blablabla, bla, bla, je fais le tour du monde, blablabla, bla, bla, et restez dans votre trois rats. J'habite dans un trois rats, moi. Est-ce que j'habite dans un trois rats?
D'accord. Moi, je lui dis clairement. J'ai laissé passer, j'ai rien dit. Là, je regarde, tu donnes ta compo, on t'a pas dit d'ouvrir ta gueule sur mon niveau. Tu l'ouvres en te permettant de dire que je suis orbite, mais critiquer. C'est d'accord. Maintenant, je t'explique un truc. J'explique un truc. T'es pas mon grand. J'ai pas de respect pour toi. D'accord. Pour moi, t'es un clown. T'es un clown. Pour moi, t'es un clown. Je te le dis clairement. Pour moi, ta danse, c'est un truc de clown. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais du New York crying, New York City crying. Je t'explique, j'ai jamais parlé sur toi. Les gens te parlent, c'est vrai. J'ai jamais parlé, tout le temps. Même, j'étais le premier à dire ouais par rapport à notre battle. Bien sûr. Le truc. La vie d'un coup, voilà, même au 1000%. Est-ce qu'ils ont braillé? Est-ce qu'ils ont dit qu'à eux? Jamais parlé sur toi. Jamais parlé sur toi. Tu dis que j'habite dans un 3A. Tu dis que. Mais dis pas à toi spécialement. Non mais tout le monde. Pour moi, tu critiques mes chorégraphies. D'accord, tu critiques mes chorégraphies, tu critiques ma danse, tu dis que je suis en mais tu t'auto-proclames, ouais, meilleur chorégraphe. Et donc, moi je te dis clairement, je vais te faire du sale. Je vais te faire du sale. Il n'y a pas de 1000% parce que c'est trop facile. Pour moi, t'es pété. Donc je vais pas me perdre mon temps à faire 1000% contre toi parce que pour moi, t'es pété. Je vais m'ennuyer. Je vais même quasiment ramener mon coussin pour danser contre toi. D'accord. Donc maintenant, t'as voulu m'attaquer moi, tu sais pas à qui tu t'es attaqué. Voilà tout ce que je te dis. Après, c'est vrai qu'il aurait pu mettre un jugement en disant voilà, la team, j'aurais préféré cette team. C'est vrai que quand il a marqué milliard orbite. T'attends pas à être dans les 8 milliards orbite. Parce que pour moi, les gars du hip-hop, ils voient comme moi, comme un clown. Mais s'il n'y avait pas eu le message, tu l'aurais mis ou pas, Sonnet? Non. S'il n'y avait pas eu ce message-là, est-ce que tu aurais pu? Je l'aurais mis juste parce que c'est un nom. Ouais, tu l'aurais mis quand même. Je l'aurais mis parce que c'est un nom. C'est là que maintenant qu'il a déclenché. Moi, je le respecte plus parce qu'il parle trop. Moi j'ai toujours respecté, il toujours, je lui serre la main, toujours on s'est bien parlé. Ce que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois je dis rien. Moi, s'il a attaqué Kamel, franchement, j'aurais compris. Ouais, c'est normal les deux. J'aurais compris. Mais moi, un mec qui parle jamais, tu vois, qui parle jamais sur lui, qui parle jamais sur les gens en général. Cherche la merde, je suis la merde. Ça fait déjà trois fois, c'est bon, je peux plus. Cherche la merde. Après, comme il y en a qui disent sur le forum, il y a que moi qui parle. Mais le problème, c'est que nous, on est tous les jours avec les autres danseurs et tout ça, les autres teams et tout. Faut pas croire qu'il y a que moi. C'est que les autres, c'est des putaines. C'est tout. Ils veulent pas parler, mais ils disent la même chose dans le dos. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Moi, je te dis clairement, quand tu dis que t'es un ancien, tout ça, que tout le monde respecte ça, c'est faux. J'ai pas vécu la danse avec toi, j'ai pas vécu la danse pour toi. Moi, le mec qui m'a fait danser, je vais le dire honnêtement, c'est Karma. J'ai jamais regardé une de tes vidéos. Je l'ai regardé, mais je m'en foutais carrément. Buckmaster, quand je te dis clairement, je m'en foutais carrément. J'ai pas vécu la danse avec toi. Dès que j'allais au mix, quoi que ce soit, ou partout où j'allais, t'étais pas là pour moi. Tu vois ce que je veux dire? T'étais pas là. Je t'ai jamais admiré ou quoi que ce soit. T'étais juste un mec qui dansait, voilà, qui avait son style. Qui était connu, qui avait créé son style. Je respecte parce que il a son style à lui, son style de danse à lui. Point. Voilà pourquoi je respectais. Maintenant, j'ai pas dit que j'aimais. Voilà. Maintenant, je te dis clairement, pour moi, t'es un clown. N'essaye pas de faire 1000% pour moi parce que je vais te broyer. D'accord? Je te le dis clairement. Donc, mais t'inquiète pas, mais attends-toi que je te fasse du sale, c'est la troisième fois. Attends-toi tes paroles quand tu vas répondre sur le forum, parce que je sais que tu vas parler. Fais attention à tes paroles. Faut accepter des fois, je sais pas, quand on leur dit, vous venez avec les chorés de vos vidéos. Les vidéos elles sont là, le battle il est là, tu les colles, c'est la même choré et il y en a encore qui disent mais non, c'est pas les chorés des vidéos. Aussi, non, mais moi je critique pas leur style, la preuve. La preuve, regarde moi et Bassem. Nous, regarde, dès qu'ils nous ont dit, ouais, par rapport aux acrobaties. Aux acrobaties, ils nous ont parlé, ils nous ont dit, vous faites trop d'acrobaties. On a changé nos chorés, on a eu plus de détachements. Si les chiens des gens ils disent, vous faites trop d'acrobaties. Qui vous a pas permis de ne pas les faire déjà pour commencer? On accepte les critiques, on s'est dit bon, peut-être que c'est vrai, on va essayer de bosser autrement. On a mis beaucoup plus de déplacements, ils pourront même voir qu'on utilise un peu de leur mouvement à eux, tu vois. Et c'est pour ça que ils verront bien. Il y a des courriers qu'on utilise leur truc, tu vois, on a utilisé beaucoup de leur truc. Parce qu'on s'est dit, ouais, ben voilà, on essaye de travailler différemment, tu vois. On essaie de travailler différemment, toujours en gardant notre aspect technique, mais toujours travailler différemment. Et on a pris les critiques pour évoluer. Et donc, et les mecs comme ça qui se permettent de parler à chaque fois, c'est bon, c'est relou. Et si demain, par exemple, par rapport à ce que Mia a dit, par rapport à ce que vous avez, ce que c'est une pensée commune, à mon avis, et ben tout d'un coup, t'as les e-boys qui décident et ben, de faire un 1000% contre vous, si vous l'accepteriez. On va te fumer. Moi, il n'y en a qu'un seul qui respecte. Pour moi, c'est un mec qui est archi bon. Son style, je le kiffe. Trixie, tu veux pas pour rien dire. Tu veux que je te dise ce qu'il a dit, Trixie? Il pense la même chose que moi. C'est qu'il dit, pour moi, un jury,
Il avait droit de voter e-boy, il avait droit de voter street, mais ça montre direct sa mentalité au jury. S'il kiffe la danse à l'ancienne, pourquoi juste après il vote mafia? Voilà. Moi j'ai pas compris ça, je suis désolé. Oh, si tu votes e-boy parce que tu kiffes la danse à l'ancienne, tu vas pas voter mafia le tour d'après, je suis désolé. Mais en même temps, nous on prend des jurys, après on. Ouais, non, mais après toi tu fais la rétribution, c'est ça.